yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. Hier ici, on vient de par là, la route est bloquée par là, il y a un chemin ici, mais bon, vous voyez l'état du chemin, voilà, essayer de passer au moins ça quoi, une fois ça passé, après c'est un peu mieux quoi, pour le moment, c'est mieux. Bon, par là, c'est mission impossible. Par là, encore, hein, peut-être. Hein. Peut-être. En fait, le chemin. Il faut savoir qu'il y a. En fait, le chemin, il est en train d'être rénové. Rénové. J'essaie de faire un pont. Mais là, comme il y a beaucoup d'eau, vous voyez, il y a une rivière juste en face. Là, ici, pour passer, voilà, ce sera un peu compliqué, mais c'est, on peut passer. Voilà, le but, ce serait de passer par là. C'est un des chemins, une des déviations qu'il y a. C'est un peu galère, donc passer par ici. Comme ceci, là. Après ici c'est un peu boueux aussi, c'est un peu compliqué, mais bon, avec un peu d'élan ça passe pour aller rejoindre la route en marron là-bas qui est en terre. Alors, tout ça c'est de la pierre, hein. Faut pas passer par là bien sûr. Ben, là ouais, il n'y a pas le choix, vraiment, c'est par ici qu'il faut passer en fait. Par ici c'est compliqué. C'est très compliqué. Ici en termes de paysage, on a des magnifiques paysages, mais voilà, pour qu'il y ait des magnifiques paysages, il y a de l'eau et de la terre. Là, comme c'est de la pierre ici, donc ça pourrait passer, mais après ça là, après ça, de la pierre, un peu de terre en dessous, il y a de la pierre, donc ça passe, c'est pas profond. Si ça dérape, ça dérape un petit peu. Voilà. Comme je disais, le paysage il est magnifique. Il est très très beau même. Vous avez vu ça?
Voilà, le but ce serait de passer par là. Donc ça c'est la déviation la plus dangereuse d'ailleurs. Enfin, la plus dangereuse. Une fois passé le début, ça pourrait passer. Ici, bon, là, le pneu ça passe. Et c'est l'autre côté là-bas. Il y a une autre déviation. C'est vraiment le parcours du combattant ici. Franchement. Que fait le gouvernement pour les routes? Je vous signale que les routes, la route en terre qu'on a fait depuis le début, c'est une route nationale. Sur le plan, c'est marqué national. Oui, elle est dans le pays, donc oui, la nation. Il n'y a pas de problème. Mais au final, voilà. Donc je ne sais pas si c'est des génies civils ou quoi qui sont passés tout à l'heure. Ils ont essayé de prendre un chemin. Ils n'ont pas réussi à passer. Donc pour ne pas s'emmerder, ils ont vu qu'il y avait des camions. Donc il y a déjà deux camions qui sont embourbés. Donc le but c'est de... Ils sont repartis par où ils venaient, donc par là. Ils sont venus par là. Et ils sont restés embourbés un peu plus bas là-bas. Et ils sont repartis par là. Où est-ce qu'ils sont venus? Pour aller chercher des camions et autres. Pour pouvoir sortir les camions qui sont là. Ça fait quand même une semaine qu'ils sont là. Il y en a un, ça fait 3 jours. L'autre, ça fait presque une semaine. Et ils n'arrêtent pas d'aider les gens qui passent. Depuis hier soir, on est là, on pousse les voitures pour qu'ils passent. Mais c'est pas évident. Donc voilà, c'est un pont comme ça là qu'ils essaient de faire. Comme voilà, là où est-ce qu'il y a de l'eau. Vous voyez la brique là-bas. Et du coup, c'est pour faire une sorte de pont comme ça. Pour qu'on puisse passer. Bon, les motos, il n'y a pas de problème, ça passe. Là, les voitures, c'est juste, vraiment juste. Mais le pire là, c'est voilà, on n'a pas la taille d'une voiture. On n'a que des tractions avant d'ailleurs, c'est pas traction. Il n'y a pas pulsion derrière, donc pas 4x4 non plus. Donc, c'est un peu compliqué. Donc les motos passent par là. Et l'autre chemin. Parce qu'il y a la déviation pour les voitures. Ah bah tiens, la moto veut passer par là. Elle devrait pas. Ah. Voilà l'autre déviation. C'est un peu compliqué par exemple. Pour passer avec le fourgon parce qu'il y a le virage. Et le fourgon est très grand. Et il faudra faire une marche arrière, il y a trop de boue en fait. Donc là, voilà le chemin. La déviation, c'est compliqué. Voilà le deuxième chemin. Et c'est dur, dur. On va attendre. On va attendre. Les bleus, eux, peuvent passer. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent derrière le fourgon. Qu'est-ce qu'il fait derrière lui? Le noir, là, il fait que d'aller derrière. Comme s'il avait à manger. Bizarre. Alors, allez jouer plus loin. Voilà, il y a une petite rivière là-bas, ouais, c'est là, là-bas. Voilà le premier chemin. Et le soleil commence à bien taper. C'est bon.
on est arrivé. Ouf. Et quel périple. 2 jours. Ouais. C'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Là, le goudron, ça roule tout seul. Alors, je sais pas quels sont les dégâts, mais il doit en avoir. Et je pense qu'on va faire une petite révision. Peut-être pas tout de suite, mais une révision est à prévoir.